De l'unité. Ça veut dire l'équipe. On ne peut pas
collaborer lorsqu'on ne forme pas une équipe. Vous pouvez être nombreux, vous pouvez être, n'est-ce pas, ensemble, mais sans pour autant être unis. C'est ce qui se passe généralement dans nos différentes chapelles appelées églises. Vous allez remarquer que les gens viennent nombreux, mais lorsque vous cherchez la collaboration au sens de l'équipe, l'équipe n'y est pas. Mais écoutez-moi, la force d'une équipe ne dépend pas seulement de la présence des joueurs ou même de leur talent. Moi, je me rappelle, je connais une église. Cette église comportait plusieurs talents. Mais seulement nous n'avions pas pu en faire un gâteau, à faire preuve de l'unité de l'esprit pour faire de cette vision, bien aimé, une grande parmi tant. Ça veut dire qu'il y avait des joueurs, une équipe peut avoir, même, bien aimé, écoutez-moi, recruter tout le meilleur joueur du monde. Le problème qui fera la force de cette équipe, c'est la cohésion, le jeu d'ensemble ou la technicité qui est placée. C'est là où, bien aimé, vous allez remarquer dans les domaines footballistiques, on donne beaucoup d'argent à des entraîneurs professionnels. Parce qu'ils sont à mesure, bien aimé, de prendre ou même de regrouper les meilleurs et donner, n'est-ce pas, les résultats escomptés, les résultats les plus meilleurs. L'essentiel, ce n'est pas toi, les Seigneurs t'utilisent comment. L'essentiel, ce n'est pas quel pasteur nous avons, il enseigne bien ou pas. L'essentiel, ce n'est pas, bien aimé, écoutez-moi, nous avons des frères et des sœurs qui ont l'argent, qui sont classifiés socialement, bien aimé, en hauteur. L'essentiel, ce n'est pas cela. Mais l'essentiel, c'est est-ce que ce rassemblage, ou même ce rassemblement, a donné naissance à une équipe, à une jointe qui travaille de la manière efficace. C'est ça le problème de nos églises. Ça ne manque pas, mes frères et sœurs, les talents, les compétences, les charismes. Nous en avons des dons, tout comme vous le savez, et de manière diversifiée. Mais le problème, c'est que l'église n'a pas encore compris le mystère qui gorge l'unité. Alors l'unité dans le Seigneur, l'unité dans les corps du Christ. Et c'est ça l'élément, bien aimé, capital, si pas indispensable, qui détermine l'échec même au sein des familles. Bien aimé, famille avec une unité, avec une unité, avec une unité. Le problème avec vous, il n'y a pas d'unité. Nous sommes en amour, nous sommes en amour, nous sommes en amour. Alléluia. Amen. Nous sommes en amour, nous sommes jaloux même. Dans propre nécoraillé. On est allé loin, bien aimé, avec la famille d'Adam et Ève. À cause de ça, la mauvaise sémence s'est établie par les parents qui ont donné accès au diable. Bien aimé, il y a la sémence du diable qui avait pris place au sein de la famille. Et cela a donné, bien aimé, une orientation de vie qui n'a jamais existé dans le plan de Dieu. Nous allons remarquer qu'il y a même un des fils, Caïn, qui s'est dit non, non, pourquoi mon frère, son offrande doit-elle être acceptée par le Seigneur? Alors moi, je ne peux pas accepter ça. Et Dieu n'avait jamais donné un pourcentage ou même une quantification des doses. Je dirais même des chiffres à chaque offrande. Non. Le Seigneur, quand il a regardé les sacrifices, c'était clair et net. Il n'a fait que observer les sacrifices de l'un et de l'autre. Et il en a ensuite porté regard, bien aimé, sur ce qu'Abel avait fait. Et Caïn ne pouvait pas l'accepter. Mais même moi qui a unité dans ma famille, il y a moi qui échoué. Moi qui a unité dans l'église, il y a moi l'église des autres élèves. Moi qui a unité dans ma camarade, les camaraderies, les amitiés que nous avons, bien aimé, lorsqu'il n'y a pas l'unité invisible. Je dis la vérité, parce que l'unité, ce n'est pas ce que nous voyons. L'unité, c'est ça l'élément clé de l'amour. Ou même qui justifie l'amour. Mais si on a dit,
Oh, on nous a la courir les athées, parce qu'on va nous avoir un réfrigérateur, les athées. Ça veut dire que cette unité-là, bien aimé, c'est cette considération de cœur que chacun, chacune doit avoir pour l'autre. C'est ça la considération meilleure, l'honneur que le Seigneur attend de nous. Et quand l'Église comprendra, mon frère, ma soeur, le mystère qu'égorge l'unité de l'unité qui nous cite. Dieu n'a besoin que au Badakouye, mais Baliba. Amen. Dieu a créé plusieurs chambres en ce qui concerne l'amour. Et il en a défini des rôles distinctement. Suivez-moi très bien. Il y a plusieurs types, ou même dans la typologie, bien-aimé de l'amour. Nous allons avoir amour et fraternel, les commandants. Alléluia. Cet amour qui se manifeste par la gâte et la partageabilité de ce qui est spirituel, lorsque le Seigneur nous donne la parole de Dieu. Mais ça, c'est l'amour qui nous retient ici. Nous formons aussi une famille, raison pour laquelle on l'appelle famille chrétienne. Au-delà de ça, il y en a de cet amour qui se considère en termes filial. Vous allez remarquer là, qu'est-ce qui, comment je peux dire, engendre même cette atmosphère. C'est le phlegmatique, c'est le sentimental. C'est la passion. Et ça, quand on dit, moi, c'est dans mon bac, quand on dit, non, son frère, on dit, mais lequel vous avez? Parce que cet amour est fondé par des secrets. D'abord, on a même le Seigneur pour manifester cet amour de nous sauver. Il vient, il représente bien aimé sa divinité d'une manière familiale. C'est pas pour rien on l'appelle père. C'est pas pour rien on l'appelle époux. Et il vient auprès de qui de l'épouse. Ça veut dire le meilleur amour. Alléluia. Tu m'as montré bien. Et manifester ta beauté à moi, c'est dans mon père. D'abord, la caméra, ça va se fondre dans mon bail, pas moi aussi. Donc, moi, c'est pas mon bail. Les frères, on perd le temps. Pas qu'on soit dans le bail, dans le bail. Et ça, quand ma caméra, on s'en négocie, ma caméra, je dis. Et pasteur, si tu veux bien gérer les gens, je vous dis la vérité, il faut savoir comment gérer les affectionnalités liées à cette dose de l'amour qui se manifeste dans ma caméra, c'est dans mon bail. Sinon, quand on joue dans l'église, au moment d'église, en fragment, au moment d'église, en particule, en bande des gens. Souvent, le problème qui brise l'église, ce n'est pas, bien aimé, le problème d'argent ou de positionnement. C'est-à-dire, il manque la considération mutuelle. Bien aimé, au centre de tout, ce sont des problèmes liés à l'amour. Il y a comme moi, c'est dans mon bail. Raison pour laquelle Dieu nous aide. Que cette école de collaborateurs donne naissance à des vrais serviteurs qui puissent même gérer ces problèmes de table, ces problèmes sensuels, ou même d'ordre sensuel ou sentimental. Plus que c'est le pasteur qui va commencer à gérer comme un personne du Bali, mais attendez-vous qu'il y aura des problèmes sans frère. Ce n'est pas même un conseil que je donne à mes frères, à mes soeurs, pasteurs, serviteurs qui me suivent. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, là où il y a l'amour. Là où il y a la vraie unité, bien aimé, il y a une cohésion de puissance au Bobandakouye. Alléluia. Dans mon amour, nous tous sommes comme ligné, mais tu le favorises. Nous tous sommes comme ligné, mais tu peux même remarquer que ça a des faiblesses multiples. Mais tu en fais fi. On se bombe à même dans l'amour. Parce que tu veux l'amener quelque part. Bien aimé, on a besoin de l'amour. L'amour représente un stimulus, je vous dis la vérité. Je ne parle pas de stimulant, mon ami Miguel. Quand on parle de stimulant, c'est un produit. Alléluia, on le voit à l'état brut. Mais quand on parle de stimulus, ça signifie quoi? C'est déjà injecté quelque part. L'amour est un super stimulus. Mais monsieur, ton sang à l'amour, je vous dis, on ira loin. Ah non, est-ce que je vais y répondre ici? Amen. Je vous dis, on ira loin. Amen. On ne peut pas collaborer sans amour. Même pour marcher avec le Seigneur, il faut regarder les degrés de sentiments que tu manifestes à lui. Je connais les gens moindres de problèmes dans cette église. Je connais les gens moindres de difficultés d'aimer. Ça pèse sur l'église. J'en connais même plusieurs qui ont en train d'attendre l'accomplissement de promesses que leur enfer, leur prophète, je ne sais pas. C'est moi qui sont vraiment force.
rien que les initiateurs qui en savent plus. Mais moi, dans mon temps, l'église, je n'irai plus à l'église. Moins de fêtes, moins de baptême, moins de fêtes, baptême. Ah, papa, vous voyez, t'es libre, maintenant, ça, papa. Moins de monde qui a carburant, ou même transport. Un des amis m'a transporté avant de l'écouter. Frère, manifester pour le moment, ça, c'est pas d'avoir beaucoup collaboré. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui me suit? Amen. Manifester amour à outrance pour le Seigneur. Amen. Nous avons favorisé au dernier. On va te dire. Le problème de l'église, c'est pour ça qu'on va dire l'eau au lit dans le gâteau. Je vous dis la vérité. Il bat à mon côté. A tes semaines, il peut venir. Il y a sur mon amour l'équilibre. Le pain. Je suis le pain de vie. Aïe, la tsaka m'a pas ma poison brillée. Oh, le ralala, bon, on a dit, pas là, qu'est-ce que ma lipa? Ah non, les salati. On s'apprête à ton kumba, mais là, ma panga. Alléluia. Et donc, je te dis pas un matin que tu te diras que tu aimes le Seigneur plus que moi. Je fournis cet effort-là d'aimer le Seigneur plus que toi. Amen. Je lui ai déjà dit, et je ne sais pas si je dit, pour le salut même d'un seul homme, d'une seule personne. Si, méditons, si tu dois encore redevenir une victime expiatoire, ça veut dire passer en rançon, comme le Seigneur Jésus. Je l'accepte. J'aime le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Qu'on aime par rapport à par rapport. L'idée est à tout pour le signe. Je vous dis là, même s'il me disait, ok, tu dois rejoindre notre frère qui se promène soit avec le vélo, je l'aimerais encore plus. Il faut aimer le Seigneur. Quand je regarde mon ami Guicha qui a fait, n'est-ce pas, état de mes sentiments de recherche aujourd'hui lorsque je le pille, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui peut aujourd'hui me convaincre que je t'aime plus que papa Guicha qui a laissé sa maison, ça fait plus de 7 ans. 8 ans, je ne sais pas. Tous les jours, il prie pour nous autres. Oh Seigneur, qu'est-ce qui peut me convaincre que je t'aime plus que lui? Il y a des facilités que tu mets aujourd'hui que tu dois avoir. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui peut prouver? Mais bon, il y en a. Amen. Problème, non, peut-être, il y a quoi. Je ne sais pas pourquoi les seigneurs m'amènent sur cet terrain. Mais je vais seulement conseiller à une personne qui est venue ici pour la parole de Dieu qu'il faut aimer le Seigneur. Amen. Parce que tu lis bien les commandements, il y a quelque chose d'extraordinaire dans Exode 20. On dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et il y a une balance. Alléluia. De tout ton cœur. De tout ton âme. L'âme, c'est ça, les réserves sentimentales. C'est ça, c'est là où, bien aimé, ça se cache tous les sentiments de l'homme. Il nous a dit, nous, qui nous faire, on sent qu'on a besoin. On a besoin. Il y a un moment donné, ma taille à Abraham. Pourquoi il est devenu père d'une postérité, père de la foi? Parce qu'il était capable de venir d'incorporer l'image qui ne veut venir par la suite. Dans la nouvelle alliance, lui, il en a fait. Les pères de la nouvelle alliance, on les prie. Pourquoi? Parce que Dieu a les pères. Il a quand même nous autres qui sont représentés par le monde, qu'il a donné son fils unique. Et Abraham l'avait fait. Moi, je suis ma passe. On le dit. Père Sabissoye. Il a accepté. Isaac représentait son tout. Je me rappelle de mon frère aîné. Il aime bien qu'on l'appelle ainsi le pasteur Mbo. Qui un jour il aimait venir enseigner ici, alors qu'il ne s'était pas présenté, parce qu'il y avait des coups de balles, des crépitements de balles partout. Le pasteur ne pouvait pas se déplacer. Il m'est montré ses poulets, ses enfants. Alléluia. Mais lui, il a accepté de laisser son fils. Personne d'entre nous ne pourrait le faire. Même moi, à la place du pasteur Mo, j'allais peut-être laisser aussi la prédication. Dire que ma sœur César, pour la papa Chapi, et qu'il s'en s'église. Pour les sœurs. Ne dites pas.
Papa, son repassé, votre regard, ma tasse, et trop beau gabaïdi. Mais c'est ton livre, vous les attrapez dans les pissons. Vous ne vous sentez pas ma mère, vous gardez la porte. Vous ne vous parce que son esprit va commencer à te dire pourquoi tu as fait ça. Amen. C'est qu'il manque, il y a trop la rébellion fondée sur les paraître. Je me pose une question. Pourquoi les paraître dominent l'être dans la vie des chrétiens? Ton être ne représente rien, mais trop de paraître. Soyons de vrais. Et le Seigneur nous bénira. Amen. Et je vous ai dit, troisièmement, par le travail. L'équipe, troisièmement la collaboration vise un ou plusieurs objectifs. On ne peut pas collaborer quand on ne connaît pas l'objectif ou les objectifs qu'il faut ou que nous devons atteindre. C'est ça le problème des églises. C'est ça en fait aussi le problème de nous frères et sœurs. Donc il y a des objectifs. Il y a des gens qui m'énervent sur cette terre. En plein 21e siècle, déjà la nature humaine ne vous a pas enseigné. Au-delà de ça, on a dit, et c'est donc des objectifs, pas pour comment on va, surtout pour plusieurs. Tu ne peux pas rêver à la longueur ou à la limite de ton nez. Quand tu as des objectifs, tu n'as qu'à poser la question à un animal ou même à Mungi. Il vient briller les gens inutilement. Mungi pas existe à la papa. Mais son existence ne représente que dérangement et nuisance pour nous. Je vous dis. Il existe, maintenant l'objectif de faire quoi? Rien que de me contaminer de la malaria, par exemple. Je n'ai pas l'unisme à cause de lui. La manipulation de bien accepter cet insecte à l'état, à ta douloureté. Quand tu n'as rien à faire et que ta présence, et surtout manipulée ou pas partout, bien aimé, la mort va commencer à te sucer peu à peu. Il y a beaucoup de gens comme ça qui ne savent pas pourquoi ils vivent. Il y a des gens dont l'objectif de sa vie n'est limité que dans l'âme. Il y en a des gens encore qui disent que l'objectif de sa vie, c'est l'ambiance. Donc quand il y a l'argent, la première chose, c'est l'ambiance. Et c'est des gens avec l'ambiance, c'est comme un hôtel, ça contient plus de chambres, plus des appartements. Ou le musicien, c'est tout ce qu'il connaît. Il se console la musique. Il pleure en musique, il fait tout en musique. Et souvent lorsque tu vas même jusqu'à découvrir, non seulement les sons, mais le message contenu dans ces chansons, est-ce que c'est un désastre? Est-ce que nous avons béni? Je vais me réveiller un matin, je vous dis la vérité, excusez-moi. Je ne suis pas contre nos artistes, mais mon fils ou ma fille qui grandit, n'a t rien de la même pas pour vous. Je ne veux pas. Parce que lorsque je regarde cette chanson, je sais déjà qu'est-ce qu'on dit dedans. Et j'appelle mon fils, ma fille, où? Mais celui qui connaît les objectifs assignés à sa vie, l'église qui connaît les objectifs, bien-aimés, projetés pour leur destin destiné, mais il y a des choses qu'il n'accepte pas. Parce que je maîtrise bien le réel futur lié à notre vision. Raison pour laquelle c'est là qu'ils sont habitués à des églises et des non-molos. Ne peuvent pas rester avec moi ou vivre avec moi. Je suis allé dans une église, frère. Oh, comme on est bishop, oh, comme un ancien, oh, comme un apôtre. Oh, comme... Je leur pose la question, vous avez ramassé toute cette brouette spirituelle où? Alors quand tu essaies de dire à ces gens-là de t'asseoir, cette bouillabaisse teintée de la spiritualité renversée, tu deviens compliqué pour eux. Vous ne voulez pas être utile pour Dieu. Même les
la camaraderie, les amitiés, tout le monde, ça me produit quoi? Je t'aime parce que tu peux apporter quelque chose par rapport aux objectifs bien-aimés qui nous rassemblent à ce lieu. Pourquoi vous donc l'esprit fait des choses bien-aimées comme ça d'emblée, sans savoir parce qu'il va pas ok. Mais il est clair qu'il nous dit dans Matthieu 28, 19, jusqu'à quand? Allez faire que toutes les nations disciples, c'est ça le projet, c'est le disciple là. Mais il est l'esprit qui explique bien comment est-ce que les choses doivent se faire. Il dit utiliser des choses, premièrement, le baptême, et de l'enseignement. Enseignez-leur et baptisez-leur. À obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est avant que vous aurez les résultats. On n'a pas les résultats quand on n'a pas maîtrisé les objectifs. Amen. Je commence là. L'impact de définir les objectifs dans une vision. Eh, Congo, n'a pas tapé l'église. Par la vision de souté, combat la vie de voyager. Ça me dit, mais là, monsieur, ça m'a mis toi à battre. Combat la vie de voyager. Même quand je rencontre les hommes de Dieu, moi-même, votre pasteur, je vous dis la vérité, mes frères. Il n'y a rien de ce qu'on me dit de plus. Même papa me dit, tu crois comment est-ce que l'église avance? Cherche encore Dieu. On est content. Que ça avance, que ça est encore beaucoup plus loin. Non, pas bien, il faut pas. Mais je suis pas loin de leur dire quand tu t'es marié avant moi, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 5 ans. Montre-moi encore les résultats. Mais écoutez-moi, il y a des choses qui seront précieuses d'après tout le monde, mais que tu peux asseoir ou même rasseoir à cause des objectifs. J'ai déjà vu deux personnes dans un mariage. Après 2 ans, ils n'ont pas d'enfants. Je leur pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Je peux prier pour vous. L'homme qui vient, il me dit, non, ils sont mon tokenda qui, c'est pas ta naissance désirable, mais pas là que ça moi si n'a pas, parce que nous avons quelques projets, mais nous avons voyagé, sont la justice, mais ça va empêcher beaucoup de choses. Alors nous sommes décidés de le faire après 2 ans. Mais parce qu'il va tout même pour le pasteur, même pour l'église. Il fallait que j'aille voir le pasteur pour lui dire, mais c'est normal. L'objectif est ça, Kabatou. Il faut avoir un impact, il y a pour définir l'objectif de la vision. Écoutez-moi. Premièrement, la définition des objectifs va clarifier et structurer la vision. Les actes en au lieu de ça, on se repose au moment où l'on donne le téléphone, mais l'église qui ne crie pas. C'est un danger si tu as l'enseignement. C'est un danger. C'est un danger. Tu es habitué à des choses, mais qui ne vont rien, alors rien apporter à ta vie. Fournis cet effort d'écrit. C'est la parole de Dieu qui est plus meilleure que tout. Amen. La définition des objectifs va clarifier et structurer la vision. Frère, ce qui est ma objectif, c'est moi un vision à la claire ma vie à ma désir. Amen. Moi un peu vision et à la structurer. Et ça fait, tu vas pas mettre un texte marqué 10, 28 à 30. Parce que prends le temps. Prends le temps. Il y a pour clarifier ma capacité à la claire ma vision. Pas na oba pour l'église, pas yé la vision y a mis à titre aux côtés. Clarification dans nos ennemis. Kouna na kati ma kamito de la posala. Vision wana autosor va lier soua na autosor na yé soumassia. Na kati église a mis à. Ça nous amène quoi? Les choses doivent être claires. Si les choses ne sont pas claires, frère, dans un église, ça va vite tout, pas vite tout, pas vite tout, parce que les gens qui viennent, ne connaissent rien en rapport avec cette vision. C'est-à-dire les objectifs. Et il y a noté. Amen. Marc 10, 28 à 30. Marc 10, 28 à 30, j'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Et... Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc depuis que Pierre était avec Jésus, il a tout abandonné en matière de pêche à comment vous l'avez Jésus.
Pierre n'avait pas compris tout en rapport avec cette vision. Mm-hmm. Oh là, Pierre était intelligent. Il a dit, oui, toujours l'andaïo. On a tout abandonné. Oui. Jésus répondu. C'est que toujours la tête de la gomme soit abandonné, nous sommes soignés. Tout le monde, objectif des amis. L'objet aux amis. On veut comprendre cela. Jésus lui répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Dans son malin à solo. Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de moi. Et ça, on voit tant mon côté. On y a dit que ma camion sortit, il y a des gros nangaï. Sa maison ou ses frères ou ses soeurs, sa mère ou son père, ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centime présentement dans ces siècles-ci de maison, des frères, des soeurs, de mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que ça a deux cadeaux. Le premier cadeau, ça fait pas de garde, ça va vous appeler dans la persécution. Nous appelons dans le cadeau, nous sommes à siècles à venir. Jésus voulait clarifier les choses. Quand les choses ne sont pas clarifiées, mes frères et sœurs, c'est un danger pour la vie. Non seulement dans notre monde, soyez à l'homme au monde abîmé. Parce qu'il n'a pas maîtrisé cette vision, amis. Moi, dans cette vision, je n'ai pas de ministère à donner aux gens. Parce que je ne les donne pas. Si Dieu vous appelle, il vous appelle. Mais moi, je ne peux même pas empêcher cela. Parce que moi, on ne l'a pas empêché. Moi, ici, je n'ai pas les mabas et les histoires à donner aux gens. Mais ici, écoutez-moi, j'ai un message. J'ai un Christ vivant. À vous donner. Et il va résider dans vos cœurs. C'est lui seul qui sera en mesure de produire des éléments du point de vue humain ou même physique des résultats naturels. Et qu'un homme il va assurer, n'est-ce pas, votre lendemain, l'au-delà de votre vie sera assuré. Amen. Que vous mouriez ou pas, mais il y a une place réservée pour vous. Jésus a besoin de clarifier les choses. Il y a beaucoup de problèmes avec nous à cause de ça. Même dans ta vie, tu ne sais pas, aux autres néoïdes, qu'est-ce que Dieu veut demain. Et ça, maman, quand on voit ça la mot, et qu'on ça va nécessiter, et qu'on ça va bien, et qu'on s'y va vie, parce qu'il y a une place de sa paix à couper. À partir de la définition des objectifs, clarifie et structure la vision. Deuxièmement, elle va faciliter le travail à l'interne ou entre partenaires. Quand on connaît les objectifs, il y a la facilité du travail à l'interne ou même entre partenaires. Ce qui est au lieu de l'objectif, frère, et pour faciliter nous sommes dans la carte. Entre nous sommes dans la faire partenaire. Oye va gagner là. Oye va bouillir. Oye va bouillir. Oye, je ne sais pas, on va dans le protocole. Oye, oui, bien aimé, nous sommes dans la carte. Et va nous sommes dans la carte. Ce qu'on est dans une église, efficacité à matière, à basoter et à ma capacité, c'est que maintenant nous allons y éviter de manière clarifiée par objet lié à la vision. Amen. Je sais déjà que notre église prône l'amour. Même si quelqu'un est célibat, il les a amenés de son église. Parce que je sais déjà notre église. Si je sais que dans notre église, notre vision, elle me soutient qu'il existe réellement une faiblesse entre frères. Mais on va tenir ma casse, va soutenir ma fête. Il n'y aura pas de frères qui vont tomber et mourir. Ma camarade, on ne peut pas demander la église. Il y a un moment où il y a un problème, moi, on ne peut pas me dire que tout est. Parce qu'il y a déjà quelle réponse dans le PC. Parce que je sais clair et net ce que le Seigneur nous a dit. Amen. Mais il n'y a pas une certaine facilité de travail à l'interne. Regardez bien. Mais la production de nos visions, nous, église, église, kinane. Mais quel est le local? Mais qu'est-ce que c'est que tu n'as rien? Tu as appelé ça comme église?
Tu viens à l'église parce que tu sais qu'à l'église il y a la prière, il y a la communion,
il y a tout. C'est là où les églises louent, vous ne comprenez pas. Parce que la gloire au Liakawana. Et les frères même après les qu'ils sont là en train de manger. L'église n'a pas avancé comme ça. C'était le lieu où si tu veux vivre la sainteté. Un jour, t'es en train de dire à mon ami. David n'est pas le mien. David n'est pas le mien. Ça là, exercice mon corps. Moi, je ne sors pas. Je suis à la maison. Mais toutes les fois que tu es avec moi, tu ne pêches pas. Parce que quand tu viens, je fais de ma maison un pâturage, miséricordieux. Quand tu viens, on va commencer à parler de choses. Et tout le monde le sait. Ce n'est pas déjà tapé. C'est un amour, la vie. Et ça m'arrive souvent quand on parle d'hiver. Et que je vais dans la chambre pour prendre la tablette. Je me dis, dis quand même une tablette au niveau bal. Valentin me dit, bah, le monde va coûter. Donc, n'est pas né. Vraiment, il m'a dit. Qu'est-ce que ça nous regarde? Vraiment, beaucoup faire pour sortir de la bibliothèque. Je vous dis la vérité. Ce sont ces gens-là dans la tête qui n'ont même pas de. Par exemple, la loi spirituelle. Mais qui t'ont même la loi spirituelle. Même la trigonométrie, la mathématique, la courbe aux yeux des lignes. Tu sais quand tu fais la montée, mais ça va pour sauter, on sort aucun du solo. Oh mon amour, on regarde la bibliothèque. C'est parce que tu as une tombe en vide. Je ne suis pas en train de te traiter en mal. Parce que je peux juste rester là avec un verset. On lui a dit demain. Par le temps, on dit t'as assez rénal. C'est pas qu'il a insulté, il a dit à la femme là, il n'est pas bon. De prendre les aliments des enfants de nos chiens. Non, il n'y a pas d'accusation. Non, même pas de traitement. Mais c'est moi, je suis en train de vous dire la vérité. Mais comment est-il? Amen. 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 Ça, on dit comme ça, il dit. C'est vrai.
son fond, il est même plus loin, il va jusqu'aux extrêmes. Moutaïr, on a la vie dans la terre, comment la voyez? Moutaïr, il y a pas de ma pamboli. Dans ma table, il y a l'alliance, il y a l'alliance. Ce qu'on y dit, il y a l'alliance, il y a l'alliance, il y a l'alliance. Je ne peux même pas faire de brouiller à l'église à cause de ça. Tu vas dans ce moment de réunion. Mais attention, lorsque vous tutoyez une personne et que le ciblage, l'ennemi ne lui tient pas, ça empêche pour le Seigneur. Ou même vis-à-vis de la parole de Dieu. On ne comprend pas ces choses. Ils avaient tout en commun. Verset 45, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Je ne peux même pas ouvrir ces choses d'une manière spirituelle. Ah, t'es quand même pas. Pour elle, parce que la sainte maison avait un problème. Dieu doit trouver des solutions au problème de la sœur 13. Ah non! Ah non! Ah non! Je me rappelle l'un de nos frères qui voulait vendre son bien. Alors que quelqu'un est, écoutez-moi, dans l'enceinte de la parcelle du cadre, il y avait un autre frère de l'église qui habitait. Ah, puis je ne peux pas le vendre parce qu'il y a mon frère qui est là. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Amis de l'Alliance achète la parcelle de centre évangélique. Jésus Mounele. Il y a tout ce que nous vivons et nous voyons dans les églises. Ça prouve que, écoutez-moi, on n'a pas compris l'obéissance de la mission. Ce qu'on y a mis place aux autres, mais papa, on va ménager mon tue. Dis-moi que je vais aller au Bakongo. Mon ami Jolie qui conduit la voiture avec 5 litres. Donc on souvent la matin de qui va là, je vous dis. Donc on souvent la matin de qui va là, je vous dis. Donc on souvent la matin de qui va là, je vous dis. On n'est pas venu chercher ce que toi tu crois. Il y a un moment où on passe à la matin de qui va là, comment on dit ça là? Oh, parce que c'est un yo-yo à moi. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Et puis la parole de Dieu, on le suit avec aisance. C'est pas que vous suivez de la parole. Mon amour, nous sommes fâchés encore. Parole de Dieu, va dans mon essence. C'est ça qu'on va acclamer pour le Seigneur. Amen. Pour lui changer de thème, ça nous fait mal. Mais ça n'a qu'elle. Vas-y. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Chaque jour, tant qu'il n'y a pas d'église. Chaque jour, ils étaient ensemble, assidus. Il n'y avait pas de ferme. Ce moment-là, il y a une église qui a besoin de l'église. Ma casse, l'église est comme une église. Il est sourd. Soit il y a solo, madame, tout ça, il y a un temps. Tout ça, la copine. Moi, il y a une élection, madame, il y a une guerre à part. Tout le monde veut retrouver une table. Donc, du coup, c'est tout le problème. Ça signifie qu'on est là, du clivage spirituel. Il y a des objectifs matériels. Ça, le problème. Qui a raison, qui a tort. Mais le Seigneur, papa, l'a appelé à son âme. Entre les autres amis, c'est ici. Et lui, on a mis sur vos toits d'années. Vous m'en êtes en voyant. Tu es libre de tout. Mais dit, comment est-ce que mon corps? Mais les mille dames, ça. Voilà, vous savez quand vous trouvez vous dans l'âge. Vous m'arrêtez. Oui. Ils rompaient les pains dans les maisons. Ils rompaient même les pains dans les maisons. Ils allaient là-bas au chocolat. Va voir ce qui se passe dans les maisons. Or, leur maison était déjà définie en termes de cellules. Alléluia. Des extensions pour l'église. Maintenant, par contre, quand vous allez à un moment, par contre, il y a notre petit agenda. Ah, Seigneur, béni encore mon ami Tisha. J'aime arriver chez lui. Papa, il y a une salle ici, mais ça, papa, je sais que tu es venu si je suis béni. Est-ce que prie? Va là où
les serviteurs de Dieu se regroupent dans des maisons. Parce que telle ma fille est bénie. Elle dit pourquoi la maman ça? Parce que Jacob a gagné au Sodoma. Alors, les églises ne s'arrêtent que sur les adresses respectives. Quand ils sortent, c'est fini les enfants de Dieu. Chacun retourne sa forme initiale d'avant l'entrée à l'église. Que Dieu bénisse mon ami le corbeau franc qui m'a dit papa, ma terre est mon hymne. Alléluia, alléluia. On en a besoin. Sommes les gars, c'est que ma terre, ça va quand même. Ma terre est vite satanique. Ça sont des synagogues de Satan. Et prenez les gens. Comment il va me libérer mon écoute? C'est que pour la vie, chaque mois, mon temps, il n'a même pas passé. C'est que pour la vie, les frères et soeurs, pas qu'il a l'été. Mais tu as une maison. La dernière fois que vous étiez en prière, c'était quand? Je ne parle pas des ambaponies avec vos frères là. Quand ils terminent vos soi-disant prophètes qui sont spécialisés dans la prophétique aérienne. Je ne parle pas d'eux. Je parle de la prière vivante. Tout ce qu'ils font, les gens avaient intérêt lucratif. Il y a la farice des dons. Oui, tout d'avoir à l'église. On va trouver les mêmes bons côtés. Même quand il en a, les moukous, ça continue. Il faut que je l'aie une autre fois. Et souvent, on utilise les mécanismes spirituels, les fongérisations, pour nous faire des biens. C'est là où je me peur quand les gens me disent, papa, il y a un verbe d'un verbe. Non, c'est pas que je ne peux pas. Je me pose une question dans la majesté du ministère que le Seigneur m'a donné. Parce que je suis porteur d'un message. Je suis évangéliste. Amen. Quand je viens chez toi, je dois venir pour un but. Ce n'est pas parce que j'ai un anamion quelque part et je sais comment je vais faire la ronde. Quand on a su 10, quand on a su le plus, la su. Leur maison, ce n'était pas des terrains sataniques. Leur maison, ils en avaient fait une maison de prière. On a mis les biches, je vais se souvenir un jour, je lui ai dit, ta maison accueille tellement de gens que je commence à m'avoir mal. À partir d'aujourd'hui, fini. Avec que ça reste une maison de prière. Depuis ce jour-là, la cotation ou même les codifications bien-aimées qui nous ont engagés à des présences infinies, se sont limitées. Que les maisons soient des maisons de prière. Comme ça, là, qu'on a mis le lavant d'armée. Je vais me laisser, ça m'a dit bien longtemps. Il y a mis, tu vas tout à l'heure dire la rigueur. Et c'était leur prière. Jamais je n'ai assisté, même une fois, vous ne m'avez pas parlé de ça. Mais il y a des frères qui me l'ont dit, ça me regaillardit. Ça me fait du plaisir. J'aime ça. Attention et ça vient. Vous avez un peu de temps. Non, mais il faut que vous mais qui est-ce que vous avez mais qui est-ce que vous avez Charlie Draman. Et les choses changent. L'église ne connaît plus cette vie. Parce que la Koutani, même ce papa y a Bazaar, il n'y a pas d'influence qui montre, même qui démontre. Que les enfants de Dieu se sont retrouvés. Comme ma case au courant, Maramoko, Fatima Koun, la donne, et soit le 17e épisode, côté moi, ça n'a pas mon âme. Tu n'as même pas deux versets. Ça me sert. On sait la main du papa, inconnu, sans objectif, il demande à Dieu des choses. Les enfants de Dieu, quand ils se retrouvent, ils chantent. Oh, oh, la baba souffle. Les enfants de Dieu, quand ils se retrouvent, je vous dis la vérité. Même dans les parages où il y a un problème, les solutions tous à celui qui peut blesser. Alléluia. Amen. Il faut avoir peur. Hein? Vous avez ce libertinage. Laissez-moi que je vous dise la vérité. Que vous y comprenez aussi en termes d'inconvénients. Qu'est-ce qui peut s'en suivre? Bon, mais comment on va comment l'église? C'est que toute maison de prière va nous dire comment être psycho et comment être ecclésia. Mais à quatre églises, au Zéton, l'église du Seigneur. Mais s'il y a une personne parmi nous tous qui a mis beaucoup d'argent pour la construction de cet édifice, c'est moi.
Mais laissez-moi vous dire, j'ai peur même de dormir ici. Le nombre de fois que j'ai passé une nuit ici, c'est moins que tous les autres 14. Et je leur pose des questions, vous qui dormez à l'église, vous serez venus de l'autre côté. Moi, quand je dors ici, il y a la puissance de Dieu qui descend sur moi. Je peur de l'église. Voilà le quatrième niveau, on va m'expliquer sur le bateau. Plus encore, va tomber le pasteur. Plus encore, il y a le coup d'un à maîtriser les deux. Et prenez leur nourriture avec joie et simplicité des cœurs. Non seulement, un jour je vais vous dire les quatre choses les plus majestueuses. On ne va pas ça. Il y en a aussi les verbes qui se conjuguent à la parole. Manger c'est bien. Sans nous dire ça ne peut pas s'écrire, sans moyen de. Soit on vous donne un casse, t'as dommage. Mais par contre, habitant, on va dire qu'on lit, il y avait plus de sang, simplicité. Il y a des amens, des orgueilleux. Mais il y a des soldats qui pleurent. Mais quand il s'agit de manger, il faut faire avec simplicité. Il faut faire avec simplicité, je vous dis. À tout même des moments, pourquoi nous sommes enterrés à la montée? On va appeler ça au combo qui n'a combo à la route d'abord dans mon temps, il fait ça. La corporation a bien fait ça. Il faut manger avec simplicité. J'aime ces moments, hein, que je suis là et je suis. Ou même je regarde en face, même les enfants que j'ai formés en train d'enseigner. Frère, moi, tout est appris dans la même ligne au matin, monsieur Rotter, vous les pasteurs. Ce n'est pas que vous avez besoin de vous prendre en main. Mais l'essentiel, tu me parles au nom de Jésus. Amen. Ils mangeaient ensemble. Et il y avait la simplicité. Parce que si tu manges, il y a un moment là, bon keba. Bon keba pour lier nous autres à Christ indignement. Bon keba. Au péché et péché, au limite, au péché, au loba, au nobel. Mais le problème, c'est lequel? Maintenant, on s'agit maintenant de l'oba, l'oba, l'oba. Bon, il y a. Il y a un peu sur maman, vous, il y a pas mal de ça. Alléluia. Amen. Ils mangeaient tout en commun. Oui. Avec joie et simplicité des cœurs. Avec joie et simplicité des cœurs. Louons Dieu. Louons Dieu. Et se trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et se trouvant grâce. Évidemment. Ils trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Si seulement on comprend l'objectif, bien aimé, l'atmosphère qui va commencer à arrêter au milieu de nous. On trouve la monnaie dans le bali. Comment c'était mon ami, papa Willy. Ami de ma papa. On dit si bon. Pour que les gosses va tout pardon, Liban. Frère. Deux amis d'alliance en problème et pas là, c'est mon échec. Parce que c'est une partie de moi. Même dans l'entour de l'église, au moins quand on parle d'église, on est bien rapport. Papa, lui, c'est papa, tout le monde est en repêchage, t'es qu'on a eu. Ok, maman, la première, on est mon premier. Première, c'est l'idée. Première session. Ok, mais, on est en coup d'idée. Mon esprit.
bénis cette personne au nom de Jésus. Que le Dieu de mon esprit. C'est à toi d'appartenir. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom. Acclame, acclame pour le